Au large du Bronx, à New York, une petite île à l'allure fantomatique. Avec plus d'un million de tombes, Heart Island est l'un des plus grands cimetières des États-Unis. Et pourtant, il est inaccessible au public. Depuis 150 ans, enfants morts-nés, miséreux et anonymes sont inhumés dans des fosses communes par les détenus de la prison voisine de Rikers Island. Pour des raisons de sécurité, le département des prisons refuse d'accueillir les visiteurs. Mais Lori Grant bénéficie aujourd'hui d'une permission spéciale. Sa fille, décédée à la naissance il y a 20 ans, est enterrée sur l'île. J'attends, on verra. Il y a deux types là, je crois voir le ferry, mais je sais pas où sont les autres. Lori est soutenue dans sa démarche par le Heart Island Project, qui depuis 2009 tente de recenser les morts enterrés ici. À sa tête, l'artiste Melinda Hunt, qui se bat pour que l'île soit ouverte aux familles. Les familles ont le droit de se recueillir sur ces tombes et de savoir où se trouvent leurs proches. Le problème avec Heart Island, c'est que d'une certaine façon, ces gens ont disparu. Même si près de 1500 personnes sont encore enterrées chaque année sur l'île, le seul ferry pour s'y rendre est interdit au public. La plupart des registres du cimetière sont inaccessibles et chaque fosse commune est signalée par une simple borne de granit blanche numérotée. Lori espérait retrouver la sépulture de sa fille, mais la traversée paraît compromise. J'étais censée visiter Heart Island, j'avais rendez-vous à 11h. On ne peut rien faire sans l'accord de la prison. On ne peut rien faire pour vous. Pour Lori, la déception est immense. Il n'y a aucun respect. Que ce soit un manque de communication ou pas, ils n'essayent même pas d'être agréables. Ils n'offrent aucune excuse. Un nouveau projet de loi a été déposé devant le conseil municipal pour que l'île passe sous juridiction des parcs de la ville. Mais en attendant, Heart Island continue d'éluder les familles de ceux qui y sont inhumés.